ce qui est grave est que nous savons qu'après l'ordre de ce monde, il y en a un autre. Quel est-il ? Nous ne le savons pas. Le nombre et l'ordre des suppositions possibles dans ce domaine est justement l'infini. Et qu'est-ce que l'infini ? Au juste, nous ne le savons pas. C'est un mot dont nous nous servons pour indiquer l'ouverture de notre conscience vers la possibilité démesurée, inlassable et démesurée. Et qu'est-ce au juste que la conscience ? Au juste, nous ne le savons pas. C'est le néant. Un néant dont nous nous servons pour indiquer quand nous ne savons pas quelque chose, de quel côté nous ne le savons. Et nous disons alors conscience du côté de la conscience. Mais il y a 100 000 autres côtés. Et alors ? Il semble que la conscience soit en nous liée au désir sexuel et à la faim. Mais elle pourrait très bien ne pas leur être liée. On dit, on peut dire, il y en a qui disent que la conscience est un appétit. L'appétit de vivre. Et immédiatement à côté de l'appétit de vivre, c'est l'appétit de la nourriture qui vient immédiatement à l'esprit. Comme s'il n'y avait pas des gens qui mangent sans aucune espèce d'appétit et qui ont faim. Car cela aussi existe. D'avoir faim sans appétit. Et alors ? Alors, l'espace de la possibilité me fut un jour donné comme un grand paix que je ferai. Mais ni l'espace, ni la possibilité, je ne savais au juste ce que c'était.
et je n'éprouvais pas le besoin d'y penser. C'était des mots inventés pour définir des choses qui existaient ou n'existaient pas en face de l'urgence pressante d'un besoin. Celui de supprimer l'idée. L'idée et son mythe. Et de faire régner à la place la manifestation tonnante de cette explosive nécessité. Dilater le corps de ma nuit interne. Du néant interne de mon moi, qui est nuit, néant, irréflexion, mais qui est explosive affirmation qu'il y a quelque chose à quoi faire place. Gaz puant. Mon corps. Dire que j'ai un corps parce que j'ai un gaz puant qui se forme au-dedans de moi. Je ne sais pas. Mais je sais. Que l'espace, le temps, la dimension, le devenir, le futur, l'avenir, l'être, le non-être, le moi, le pas moi, ne sont rien pour moi. Mais il y a une chose qui est quelque chose, une seule chose qui soit quelque chose et que je sens à ce que ça veut sortir. Là. Présence de ma douleur de corps. La présence menaçante, jamais lassante de mon corps. Si fort qu'on me presse de questions. Et que je nie toutes les questions. Il y a un point où je me vois contraint de dire non. Non. Alors. À la négation. Et ce point, c'est quand on me presse. Quand on me pressure. Et qu'on me trait jusqu'au départ en moi de la nourriture. De ma nourriture. Et de son lait. Et qu'est-ce qui reste ?
Mais je ne sais pas si c'est une action. Mais en me pressant ainsi de questions jusqu'à l'absence et au néant de la question, on m'a pressé jusqu'à la suffocation en moi de l'idée de corps et d'être un corps. Et c'est alors que j'ai senti l'obscène. Et que j'ai pété de déraison et d'excès et de la révolte de ma suffocation. Sentir ta moelle épinière, c'est qu'on me pressait jusqu'à mon corps et jusqu'au corps. Et c'est alors que j'ai tout fait et éclaté électriquement déléguée. Parce qu'à mon corps on ne touche des associations d'idées, sentir ton âme jamais pisser ton corps comme si tu n'arrivais plus à fixer l'eau. La cellule bouger. Réveille, tu ouvres les yeux, la cellule bouge. L'après-midi, quand il y a du soleil, ça s'arrête tout d'un coup, mais elle bouge toujours. Tu n'arrives pas à te dépêtrer de cette sensation. Impossible de savoir si tu trembles de froid ou de fièvre. Impossible de t'expliquer pourquoi tu trembles, pourquoi tu gèles. Pour parler de façon simplement audible, il te faut faire effort. Il faut presque hurler. Devenir muette. Impossible de te rappeler le sens des mots, sinon très vaguement. Mais sifflante. Supplice intolérable. Les gardiens, les visites, la cour. Réalité de celluloïde. Mot de tête. Plus maîtriser la construction des phrases. La syntaxe. Jeter de l'eau bouillante à la gueule des autres et les ébouillanter, les figurer à l'aise. Hey, je me suis allée et tu n'as pas.
la moindre chance de t'en tirer et impossible de faire entendre ça. Sans cesse et inconsciemment et comme électriquement téléguidé. D'après l'ordre, sentir qu'on te vole tes associations d'idées. Monde. Sentir il y en a ton âme pisser de ton corps comme si tu n'arrivais plus à fixer l'eau. Quel est-il? Sentir la cellule bouger. Nous ne le savons pas. Te réveilles, tu ouvres les yeux, la cellule bouge. Le nombre. L'après-midi, quand il y a du soleil, ça s'arrête tout d'un coup, mais. Des suppositions possibles. Bouge. Dans ce domaine. Toujours, tu n'arrives pas à te détacher de cette sensation. Justement. L'infini. Impossible de savoir. Et si tu trembles de froid, l'infini. De fièvre, impossible d'expliquer pourquoi tu trembles, pourquoi tu gèles. Pour parler de façon simplement audible, il te faut faire effort, il faut presque. Un mot dont nous servons. Hurler. Indiquer. Démesuré.
géant dont nous nous servons pour indiquer quand nous ne savons pas quelque chose, de quel côté nous ne le savons. Tu étais libéré. Et nous disons alors ce qu'il en est. Conscient. Ce serait exactement du côté comme là. Jeter de l'eau bouillante à la gueule des autres. Mais il y a 100 000 autres côtés. Pour les défigurer à vie. L'agressivité folle. Et alors victoire, c'est le pire. Que tu n'as pas la moindre chance de t'en tirer. Il est impossible de faire entendre ça. Que la conscience soit en nous liée au désir sexuel et à la fin. Une demi-heure après, impossible de te souvenir si ça a eu lieu aujourd'hui ou la semaine dernière. Ne pas leur être liée. La semaine, c'est la chance de se laisser aller, de reprendre des forces pour un bref instant, pour quelques heures. Il y en a sentir le temps. Que et l'espace irrémédiablement imbriqué est un l'un appétit dans l'autre et te sentir l'appétit du vivre vaciller. Et il est dans un labyrinthe de glace déformante. De l'appétit et après, vivre. C'est l'euphorie d'entendre de l'amour quelque chose qui différencie. Viens immédiatement à l'esprit. Que maintenant, le temps repart. Comme s'il n'y avait pas des gens qui mangent sans aucune espèce d'appétit. Et qui ont faim de sentir comme rouler des coups et de bouger au ralenti. Te sentir comme enfermé dans une cuve plombée et sous vide. Et après, appétit. Chat, comme si une plaque de fer te tombait sur la tête. Et alors, comparaison, concepts qui te viennent à l'esprit, aux prises avec un fauve psychique. Ton brûlage impitoyable, comme dans une fusée en pleine accélération, les types sont écrasés sous la vitesse. La colonie pénitentiaire de Kafka, le type sur une planche à clous et le grand huit sans arrêt quant à la radio. Ça permet un minimum de détente comme un coup de frein. On chute de 240 à 190. Je peux dire qu'il y en a que la conscience est un appui. L'appui est immédiatement à côté de l'appui. De la nourriture qui vient immédiatement à l'esprit. Comme s'il n'y avait pas des gens qui mangent sans aucune espèce d'appétit. Et qui cela aussi existe d'avoir faim. Sans appétit. Effectivement.
Vasque fühl, es explodiert einander Kopf. Man kann nicht klären, ob man vor. Man kann nicht klären, warum man zittert. Man friert. Das Gefühl. Zeit. Und Raum. Sind ineinander verschachtelt. Das Gefühl, dass jetzt die Zeit abfließt. Sentir ta tête exploser. Sentir ta boîte crânienne sur le point d'éclater en morceaux. Sentir comment l'épinière te remonter au cerveau à force d'être comprimé. Sans cesse et inconsciemment et comme électriquement téléguidé, sentir qu'on te vole tes associations d'idées, sentir ton âme glisser de ton corps comme si tu n'arrivais plus à fixer l'eau. Sentir la cellule bouger, tu te réveilles, tu ouvres les yeux, la cellule bouge. L'après-midi, quand il y a du soleil, ça s'arrête tout d'un coup, mais elle bouge toujours, tu n'arrives pas à te dépêtrer de cette sensation. Impossible de savoir si tu trembles de froid ou de fièvre. Impossible de t'expliquer pourquoi tu trembles, pourquoi tu gèves.
parler de façon simplement audible, il te faut faire effort. Il faut presque hurler. Te sentir devenir muette. Impossible de te rappeler le sens des mots, sinon très vaguement. Les sifflantes. De celluloïdes, mots de tête, flash, ne plus maîtriser la construction des phrases, la grammaire, la syntaxe. Si tu écris au bout de deux lignes, impossible de te rappeler le début de la première. Sentir que tu te consumes au-dedans, sentir que si tu étais libéré, dire ce qu'il en est, ce sera exactement comme jeter de l'eau bouillante à la gueule des autres. Et les ébouillanter, les défigurer à vie, une agressivité folle, sans exutoire, c'est le... Être persuadé que tu n'as pas la moindre chance de t'en tirer, il est impossible. Maîtriser la construction des phrases. Mmh.
sentir. Le temps et l'espace. Irrémédiablement imbriqués l'un dans l'autre. Et de sentir comme des beautés. Bourdonnement d'oreilles et réveil de sentir comme roué de coups. Et bouger au ralenti. De sentir comme enfermé dans une cuve plombée et sous vide. Et après, la terrible euphorie d'entendre quelque chose qui différencie le jour de la nuit acoustique. Thank you.
en a un autre. Quel est-il? Nous ne le savons pas. Le nombre et l'ordre des suppositions possibles dans ce domaine est justement la construction des phrases à travers la syntaxe. Si tu es réel,
impossible de rappeler le début de la première centrée que tu te fais sur deux dans son trier, mais si tu es délibéré d'esprit en l'air, si serait exactement la vérité de tout bouillant avec les autres, les ébouillotés, les ébouillotés, à qui l'agressivité pâle sans exultoire, c'est le pire. Elle dit persuadée que tu n'as pas la moindre chance de t'en tirer, et impossible de me rencontrer ça du physique. Il ne te reste rien une demi-heure après, impossible de te rappeler sauf de façon mécanique si ça a eu lieu aujourd'hui ou la semaine dernière. Le pas de la semaine, c'est la chance de se laisser aller, de reprendre des forces pour un bref instant, sentir le temps et l'espace irrémédiablement imbriqués l'un dans l'autre et te sentir vaciller, piégé dans un labyrinthe de place. Que j'ai un corps parce que j'ai un gaz puant qui se forme au-dedans de moi. D'entendre quelque chose, je sentirai le temps qui se passe et je sais que l'espace et tu sentiras aussi la dimension qui fait de l'être formé après l'air de lumière de l'être. Je serai très différent si moi. Ça vous se dit tellement l'épée, se remet en place pendant des semaines et je sais que je fais pour donner mon doigt au réveil, se sentir comme un coup de cou et bouger au ralenti, se sentir comme un fer écrasé, tomber sous les deux trous, continuer une coupe de feu, tomber sous le plat, 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 de faire que j'ai
tombait sur la tête. Comparaison. Parce que mon corps. Concept. On ne touche. Ils viennent à l'esprit. Jamais. Aux prises avec un fauve. Ils ont calé ma tête entre l'oreiller et le drap bien bordé. Un œil entre deux paupières blanches qui refusent de se fermer. Pupille stupide, forcée de tout engloutir. Les infirmières
passe et repasse. Elle ne me dérange pas. Elle passe comme au-dessus des terres les mouettes, coiffées de blanc, les mains occupées de mille choses à faire et toutes les mêmes, si bien qu'il est impossible de dire combien elles sont. Mon corps est un galet pour elles. Elles en prennent soin, comme l'eau qui court prend soin des galets qu'elle doit polir doucement. Elles m'apportent la torpeur dans leurs aiguilles radieuses. Elles m'apportent le sommeil. Maintenant que je me suis perdue, mes bagages m'encombrent. La mallette en cuir verni, comme une obscure boîte à pilules. La photo de famille, où me sourit mon époux et mon enfant. Leur sourire s'accroche à ma peau, petite griffe mesquine. J'ai laissé, cargo de 30 ans, les choses filées, amarrées obstinément à mes noms et adresses. On m'a lavé de mes attaches sentimentales, nue sur la housse de plastique vert du chariot. J'ai vu avec effroi ma porcelaine, mon linge fin, mes livres sombrer puis disparaître, et l'eau m'a submergé. Me voilà. Nonne, maintenant, je n'ai jamais été si pure. Je n'avais pas besoin de fleurs. Je voulais seulement rester couchée, les paumes offertes, être complètement vide. C'est une telle liberté. Tu n'as pas idée d'une liberté pareille. La paix ici est tellement vaste qu'elle te donne le vertige sans rien te demander en retour, sinon une étiquette avec ton nom. Des bricoles. C'est ainsi que les morts peuvent partir finalement. Je les imagine qui referme la bouche sur cette paix comme une hostie. Et d'abord, ces tulipes sont trop rouges. Elles me font mal. Même dans le papier cadeau, je les ai entendues respirer dans leur linge blanc comme un bébé affreux. Leur rouge parle à ma blessure, il lui correspond. Et elles sont ingénieuses. On dirait qu'elles flottent, alors qu'elles pèsent de tout leur poids sur moi, avec leur langue brusque et leur couleur. Une douzaine de plombs rouges à mon cou. Personne ne faisait attention à moi avant. Maintenant, on me dévisage, les tulipes directement tournées vers moi, et dans mon dos la fenêtre, où chaque jour la lumière vient augmenter lentement et diminuer lentement. Et je me vois aplatie, ridicule, ombre de papier découpé entre l'œil du soleil et les yeux des tulipes. Et je n'ai plus de visage. Moi qui voulais passer inaperçu. Ces tulipes voyantes dévorent mon oxygène. Avant,
Leur arrivée, l'atmosphère était assez calme. Un souffle d'air, sans histoire. Puis, il y a eu ces tulipes, comme un vacarme envahissant. Maintenant, l'air s'agite et tourbillonne autour d'elle, comme un fleuve s'agite et tourbillonne autour de l'épave rouge de rouille d'un moteur. Elles accaparent toute mon attention, qui était heureuse de jouer, de se reposer, de ne pas avoir à se concentrer. On dirait que les murs s'animent eux aussi. Les tulipes devraient être derrière les barreaux, comme les bêtes sauvages. Elles ouvrent une gueule de grand félin d'Afrique. Et je sens mon cœur. Il ouvre et il ferme sa corbeille de pétales rouges par amour absolu de moi. Lointaine de la santé.